avez combien d'années de carrière politique, Christine Boutin? 40 ans. C'est beaucoup, hein, déjà. Elle a bien fait de se retirer. Attends, quand tu laisses pas grand-chose, tu te casses, hein, rideau. Là, tu trouves? Ah bah attends, pour le moins. 40 ans de mauvaise réputation et de combats perdus d'avance, tu te barres, hein. Tu laisses ta place. Ah oui, à ce point. Ah bah à ce point. C'est comme si elle avait fait 40 ans d'espagnol et qu'à la fin, elle était juste capable de dire « Hola, qué tal ?» Puis elle a quand même une vision de l'avenir très, très compliquée, cette femme, hein. C'était quoi sa vision de l'avenir? Le passé. Indéniablement, le passé. Sa meilleure valise à idées, le passé. Compliqué d'inviter des gens dans ta bagnole quand tu veux que aller en marche arrière. Hein. Oui, en même temps, laisser une trace en politique, bon, c'est compliqué quoi de laisser une trace. Hein. Il y en a peu finalement. Même là, récemment, j'en vois pas qui a laissé une trace, quoi, disons. Ben, si, quand même. Ben, qui? DSK a laissé une trace. Oh oui, bon, sur le matelas. Oui, bon, d'accord. C'est vraiment l'été indien qui ne finit pas, hein, là. Vraiment formidable. Hein. Ouais. Et alors, Enguin, t'avais raison, c'était la bonne idée. Moi, je pensais que c'était le bout du monde, c'est tout près, c'est magnifique. Enfin, écoute, c'est les vacances, quoi. Ouais. D'ailleurs, comment on appelle un habitant d'Enguin? Oui. Oui, je l'ai su. Un Enguinois. Tu sais comment on appelle un Allemand qui vient à Enguin? Ah, tu me prépares une blague. Un habitant allemand... attends. Un Enguinois? Non. Un Enguinois Merkel. Ah, mais tu viens de la trouver? Oh, incroyable, t'es formidable. Faut que tu les notes, c'est super. Attends, j'essaie. Si, oui. Vas-y. Attends. Vas-y. Politique toujours. Allez. Comment on appelle un Américain qui habite à Enguin? Je sais pas. Un Enguinois Trump. Si. Non. Si. Non. Un Enguinois Trump. Mais non, mais il s'appelle pas Angela Trump. Angela Trump. Mais non. Si, c'est bien. Oh, écoute, c'est un humour de sonorité. Enguinois Merkel, c'est Angela Merkel. Écoute, je veux pas le savoir. Non, mais d'accord, donc faut rire aux blagues de madame, hein, exclusivement. Madame la ministre des blagues. Oh là là, là là, et les autres peuvent la boucler. Non, moi, je peux rire d'un tout, hein. Je peux rire d'un son. Parfois, j'entends juste un poc, je rigole, je suis bon public et je peux créer ce genre de blague. Moi, je sais qui je vais faire rire avec Enguinois Trump. Qui? Ça va? Plein de gens, beaucoup de gens. Oh là là, un parterre de public. Madame, peut-être? Non, mais écoute.